Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Game Over Quest, où on va du coup essayer d'avancer un petit peu, et bien nos morts. On va virer la souris comme d'hab, parce que je l'ai oublié. Et avant d'explorer un peu plus en avant Waterloo's, on avait un truc à faire à la forêt fantastique. L'un de vous m'a parlé d'un mode facile qui serait activable... dans la tente en bas, je crois, parce que j'ai cru comprendre. Alors la dernière fois que j'avais été, il y avait rien, mais le jeu n'était pas sorti, donc il y a peut-être des nouveaux trucs maintenant. Ah oui, il y a quelqu'un. Nice. Un joli ourson rose. Très très bien. La dernière fois, il y avait un pentacle sous le tapis, mais il y avait personne. Alors ma chère, qui es-tu? J'ai perdu mon ourson rose. Peux-tu le retrouver? Bah ouais, elle est là. Bravo, vous avez trouvé l'ourson. Ah, puis c'est un truc rouge, carrément, quoi. Très très bien. Tu l'as retrouvé, ce n'était pas trop difficile? Non, pas vraiment. Pour te remercier de ton effort, je peux user de mes charmes pour simplifier certains de tes affrontements. On va dire que c'est vraiment trop dur. Acceptes-tu d'être considéré comme débutant? Mais oui. Es-tu sûr de vouloir libérer les énergies du mode enfant? Oui. As-tu 10 ans ou moins? Bien sûr! Vous obtenez le charme du galérien. Si tu veux retrouver la difficulté normale, reviens me voir. Alors... qu'est-ce que ça a changé? Il se passe des trucs différents... Ah là, il y a un gros panneau, attention, il y a un trou. La poule, on peut toujours l'écraser. Ça n'a pas changé. On va voir un peu ce que donne ce mode facile du coup. Bon, le temps de mourir, hein, bien sûr. Ouais. Alors, là, il n'y a pas de panneau. Il n'y a plus la forgeronne, mais est-ce que c'est lié? J'en sais rien. Lui, j'ai jamais réussi à l'aider d'ailleurs. Son ami Tony là, je crois pas l'avoir retrouvé, l'ami Tony. Ah, ok, il y avait un trou caché derrière l'arbre. C'est quoi ce faux mode facile là? Scandale. Scandale, scandale. Merde, putain. Faut reprendre le petit réflexe d'être précis dans ses déplacements. Ouais, bah écoute, il m'a pas l'air hyper facile ce mode. Hein. Il y a un panneau, attention, c'est étrange. Pourquoi tant de haine? Ma fine, c'est de la merde ton mode facile. Il y a sûrement quelque chose d'ailleurs, on peut voir ce truc. Le charme du galérien. Ce charme vous facilitera la tâche, mais ne vous affirmera pas forcément la victoire. Ok. Machine. Oui, on va retourner à la difficulté normale. Ok, d'accord. Bon, bah, j'aurais testé, j'ai pas vu de trucs fifou. Bon, ça reste sympathique dans le concept, mais bah non, il y a toujours le panneau là. Ouais, bon, j'ai peut-être raté quelque chose. Je l'ai plus là, le charme? Je l'ai plus. Bon bah écoute, viewer qui m'a parlé de ce mode, je ne sais pas trop quel était l'objectif. Donc eh ben écoute, si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me le dire. Alors, en attendant, on retourne à Waterloo's. J'ai vu qu'on pouvait discuter avec lui du coup. Qu'est-ce que se passe? La mort nous entoure, fais attention. Ok, c'est plutôt frustrant. Alors, on avait la dernière fois laissé de côté les fantômes. Ah, lui nous parle. Il y a un magnifique cheval zombie ici. Qui rugit comme un peu tous les animaux du coin, je comprends. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a un vieux tas de caisses tout pourri. Il y a encore une espèce de mouton cochon, je ne sais pas. Une vieille table toute. Été
Yorda. Ok, il réagit pas à ma présence. Bon, il doit falloir que je trouve un objet ou un truc pour qu'il réagisse à ma présence. Parce que pour l'instant, ils sont pas très très causants, tous ces spectres là. On a encore un là. On avait fait rien non plus. Est-ce qu'on peut regarder cette caisse? Ah non, on est coincé, on peut pas regarder la caisse. Pas grave. J'étais rentré dans cette tour? Non, peut-être parce qu'on peut pas y rentrer. C'était où le code en morse là? Ah oui non, là c'était la maison de l'horreur là, où je m'étais fait buter par un nounours. Très très bien. J'ai prévu un petit papier pour essayer de débloquer le code morse, mais il faudrait que je le retrouve où il était. Je vais explorer ici. Ah putain, les trous cachés dans le noir quoi. Les enfoirés. Bordel. Alors ça c'est de la lave ou un truc du style. Hop, bon alors. L'avantage c'est qu'il n'y a pas trop de plantes désagréables dans le coin pour une fois. C'est surprenant. Ok, donc là en fait les trous sont en blanc. Très très bien, on va essayer de les éviter. Ah, lui il me répond. Lumber. Ah mais c'est un mec de Lumberjack. Je vous souhaite la bienvenue dans ma taverne, on a qui puis-je vous servir. C'est un peu délabré ici, j'ai pas vraiment envie de goûter à votre breuvage passé de date depuis au moins un siècle. Si vous ne consommez rien, je vous prierai de sortir de mon établissement. Lui dire si si finalement on veut picoler un coup. Non, on peut pas. Des planches de bois très endommagées. Ah la vache, ça ressemble pas à grand chose. Là il y a un espèce de gâteau qui m'a l'air prometteur là. Là on peut pas goûter. Il y a un trou. Ouais, effectivement. Elle m'a l'air un petit peu à la masse sa taverne. On reviendra peut-être plus tard. C'est toujours le même mot. Ouais, les... Alors, Dame Yorda, on a trouvé une Yorda en bas, hein, tout à l'heure, donc... visiblement, ils se sont mariés il y a quelques temps, déjà. Ici, on n'a pas été... Et en même temps, on peut grimper, là, peut-être? Non, on peut pas grimper. Je sais plus où était le... Merde. Ils avaient oublié cela. Et bah comme quoi, hein, on joue pas pendant 3 jours et puis c'est le drame quoi, on a tout oublié. Où était ce truc de morse? Tiens, il y a un mec champi là. Qui fait des bruits de... Ah lui il fait des petits bruits encore pires. Tiens, cette porte m'a l'air prometteuse. Ah! Ok très bien, donc on a des espèces de... De plantes qui t'empalent, littéralement. Ok, donc celle-là on va essayer de les repérer. Encore un petit champignon de couleur là. Il fait des couinements. Alors si vous voulez le message activer Windows hein, vu que je suis obligé d'enregistrer l'écran hein, et pas l'application suite à un bug de la 1.4. C'est normal, c'est parce que j'ai pas encore activé Windows sur ce nouveau PC tout neuf. Qu'est-ce qu'on peut passer là? Oui, on peut réussir à choper cette espèce de navet. Ah, les plantes font des bruits assez douteux dans le coin quand même. Hein. Pas par la snavelle, il y a une plante. Alors là, il y a un arbre qui m'a l'air vachement sympa. Oh, il y avait une plante cachée derrière lui. J'ai même pas pu me faire bouffer par l'arbre, quoi. Alors, on s'est déjà fait bouffer par un arbre. Est-ce que ça refait ou pas? On évite la plante, on évite l'autre plante. L'arbre monstrueux vous regarde et vous oublie aussi vite. Ah zut. Bon, là il y a un golem. Visiblement, on peut rien lui faire. Ah, non, c'est chaud de voir les pièges quoi dans cette zone, c'est super ça. Pouh. On va essayer d'attaquer ça par l'autre côté du coup. Oh là, il y a encore un petit champi. Tiens, il y a encore un golem là. C'est une plante qui est en pâle ça, non? Ok, il y a l'air d'avoir plusieurs golems dans le coin, mais ils sont dans la flotte. Visiblement, se jeter dans la flotte est un thème couru chez les golems.
J'avais pas fait gaffe que c'était les armes qui faisaient de la lumière comme ça. On peut leur parler? Non. Alors là, il y a une stèle. Qu'est-ce qui est fait de beau? Rien d'intéressant. Il y a des petits cailloux, ça fait rien. Ok, là, il y a une plante qui en pâle. Des petits champis qui coincent le chemin. Ouais, visiblement, ça a l'air d'être fait plus ou moins pour. Parce qu'il fait un peu chier le champi là. Fais tes couinements, mais loin, s'il te plaît. Ok. Bon, d'un autre côté, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à droite. Avec tout ça, j'ai complètement perdu là où il y avait le. Et cette arme s'arrête pile poil derrière la plante, c'est fait exprès, je suis sûr. Je suis sûr que ces fumiers ont fait ça exprès. Attention. Hop là. Ça, c'est un truc qui brûle. Un fantôme, c'est une espèce de chacal mort-vivant, très très sympathique. Ici il y a quelque chose, non, il n'y a rien. La vache! Puis alors en plus, on devait trouver je sais plus quoi, mais je suis pas prêt là. Ici, ah, ici il y a des gens, ok, enfin. Qu'est-ce qui se passe si on leur parle? Somnia? Oh, désolé, je m'étais endormi. Prête? Oui. Sans toi, Fenrir aurait réduit d'autres. Pardon. Sans toi, Fenrir aurait détruit Yagendas. Je ne sais pas si je t'ai encore dit, mais merci. Je n'aurais rien pu faire sans ton aide. On a perdu assez de temps en émotion à en faire payer ce mage noir. Nous approchons du but. On va pouvoir empoutrer le méchant et te libérer de cette vilaine malédiction. Là, il faut avancer, mais le problème c'est qu'il y a toujours des grilles, ce qui n'est pas très très pratique, vous l'admettrez. Il me semble que c'est dans une cave le truc de. J'ai dû rater ça dans cette maison, forcément. Il n'y a pas de trappe là. Non, il n'y a pas de trappe. Vieux tas de parchemins répertoriant différentes réquisitions au nom de l'Empire Deepstone. L'un d'eux attire votre attention. Alors, mort de Dame Sophia, elle a refusé de céder l'une de ses positions, le saphir Osiris. L'un de nos soldats a employé la force à provoquer son décès. Comme c'est bien dit. Nous préconisons de faire disparaître le corps le plus discrètement possible. Ah oui, super discret, effectivement. On peut peut-être rentrer dans cette tour et je me rate. J'ai pas l'impression. Moi je suis désolé, j'ai complètement paumé où était le truc du morse. Faudrait que je regarde la vidéo précédente parce que je sais plus où il était. Ah si, là il y a une trappe. Alors, un tir est égal à 3 points, l'espace entre deux éléments d'une même lettre est égal à 1 point. L'espace entre deux lettres est égal à 3 points, l'espace entre deux mots est égal à 7 points, le code doit être donné en majuscule. Mais il n'y a jamais 7 points dans son truc. C'est très bizarre.
j'ai un long de cours, 3 cours, 4 cours, 2 longs, 2 cours, 1 long, un truc du genre. Oui. Bon, il y a au moins un tiret dans le tas, on dirait un D au début. Ça peut être des chiffres aussi. L'espacement entre deux mots est égal à 7 points, mais à aucun moment il y a 7 points quoi. Ils ont fumé la moquette. C'est ce 2 qui me dérange. L'espacement entre deux éléments d'une même lettre est égal à un point. Comment l'espacement entre deux éléments d'une même lettre? Ça doit être entre deux éléments d'un même mot. Il y aura une faute là. Un truc qui me dérange dans cette définition. L'espacement entre deux lettres est égal à un point. Donc ouais, non. Entre deux éléments d'une même lettre. Deux éléments d'une même lettre. Genre il y aurait... Là ce serait un point, puis encore un point et après un nom. En plus, il y a des cours qui sont pas aussi courts que les autres cours, quoi. Du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, ce serait. Ouais, non, mais cette définition 2, elle me perturbe complètement, quoi. L'espacement entre deux lettres égale à 3 points. Ça doit être mot, ce serait plus logique. Mais non, il y a l'espacement entre deux mots là. Comment des lettres peuvent être collées sans espace? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Après, peut-être que le rythme ça joue aussi sur les espaces et tout. Hein, mais... Bon, là j'ai une lettre qui pourrait être un. H. Parce qu'on a un long, un court, un long. On a un long, un court, un long, un court dans le rythme. Donc ce serait plutôt un C en fait. Ça c'est pour les 4 premiers. Deux cours, mais deux cours tout seul, ça correspond à un I. Un I. Ouais. Je suis pas convaincu. Hein. Après, on aurait deux longs et deux cours. Deux longs et deux cours. Ça correspondrait à un Z.
Bah, je pense qu'au début je suis bien, mais il y a un enchaînement de cours et de cours avec des rythmes différents qui me perturbent dans mon écoute là. Ouais, c'est fini, ça attend donc ça ensuite. Mais le problème c'est que deux cours à la suite, l'espacement entre deux éléments d'une même lettre, on retombe là-dessus, mais. On sent bien qu'il y a des points qui sont tout seuls pour faire les espaces, mais les deux éléments d'une même lettre, ça me perturbe là. Non, bah je suis pas convaincu du tout là. Après, peut-être qu'il faudra que je fasse les espaces parce que le i qui est deux cours a l'air d'être bien collé aux autres après, donc c'est peut-être pas un i en fait. Ça pourrait être. Mettons que les espacements entre éléments d'une même lettre, ce seraient des éléments entre un même mot. Quoi que veuille dire le 3, du coup. L'espacement entre deux lettres est égal à 3 points, deux éléments d'une même lettre. Ça voudrait dire qu'une lettre peut être constituée de plusieurs codes. Ah mais non, attendez, non c'est moi qui suis con. Là on a un court, un point, on a un long, un point, un long. Si l'espacement d'une même lettre, ça veut dire qu'en fait ça serait deux longs. Oui donc ça serait une même lettre. Ensuite c'est trois points, donc trois points c'est forcément un espace. Déjà on n'a jamais 7 points, donc y a pas d'espacement entre deux mots, ça c'est cool. Et du coup ça veut dire que c'est un long, deux longs ça pourrait être un M. On a deux longs à la suite à un moment, donc comment il peut y avoir deux longs à la suite s'il n'y a pas de point au milieu? Tac, tac. Ça colle pas parce qu'il y a quatre cours à la suite. Deux longs peuvent pas suivre si on part du principe qu'il y a. Ou alors c'est deux éléments différents.
dernier essai, et puis bah si jamais vous ça marche pas, ça donnerait un truc dans ce genre là. Non, bon bah c'est pas ça. Bon bah on a passé suffisamment de temps dessus, je peux vous faire tout l'épisode dessus non plus. Si jamais vous avez des idées de pourquoi, comment, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je dois probablement rater quelque chose, hein, peut-être une lettre ou... Donc on verra si, si quelqu'un a une idée. En attendant, on va essayer d'entrer. Voulez-vous entrer? Oui. On va aller jeter un œil au début de ce petit donjon. J'aurais bien été avec Smug quand même, hein. C'est immense! Je tire un coup et on attend que le vieux se pointe. Je suis pas convaincu par ce plan, on va plutôt essayer de le prendre par surprise, il faut explorer le château. On commence pas où? Oui. Ah! Moi, qui? Bon bah ça s'est fait. Mon dos. Comment suis-je encore en vie? Au secours! Guy, où es-tu? Là! Ah! Mince, ça va? Il nous a amorti, c'est la bonne nouvelle. Rien de cassé, heureusement que je n'ai pas de squelette! Quel est cet endroit? On dirait des catacombes! Mais lui contente, c'est. On est enfermé. Il y a des dalles, testons-les! Bah oui, très très bonne idée. Ok, c'est pas celle-là du coup. Se faire écraser me rappelle Brutopia. C'est la tête. Sauver un passage secret. On va quand même tester les autres. Ok, celle-là on meurt de la même manière. Donc au moins c'est simple. Et celle-là, on se fait écraser. Ok, parfait. Il y a des petits démons des flammes à droite et à gauche là qui m'ont l'air fort sympathiques. Alors j'imagine que... Ah on... en fait c'est des crânes enflammés. Ah, il a disparu. C'est bien rassurant tout ça. Il y a un trou de souris ici. Il se passe rien. Le crâne qui vole là, qui est bien en face en mode on y va en courant. Non, il a disparu aussi, je m'attendais presque à ce qu'il me bouffe. Ouais, non, c'est juste une torche. Alors ici, il devait probablement y avoir un passage secret à ouvrir entre les symboles. Là. Ce symbole-là, on ressemble à un morpion. Ok. Ici, il y a une brèche, mais on n'a pas ce qu'il faut pour faire exploser. Ah! Ah, il y a des dalles par terre! Ah, il y a des dalles par terre! Très bien. Peut-être pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec ces dalles. Donc, ici, il y a des dalles aussi. Bon, il y a probablement un schéma, hein. J'ai fait comme un point. On a bien réfléchi pour le morse déjà, hein. On a donné. Par exemple. Non, ça, ça, ça ressemble pas du tout à un symbole de morpion que je pourrais éventuellement essayer de reproduire. Ah, ça, ça a fait quelque chose. En tout cas, ça m'a pas écrasé. C'est déjà pas mal. Est-ce que ça a ouvert à tout hasard de l'autre côté? Non, pas du tout. Ah, c'est passé vert. Ici, ça m'écrase toujours. Je me disais peut-être que ça se désactive. Ok, donc là, ça s'allume vert. Que ça reste allumé. Oui, ça reste allumé, parfait. Par contre, j'ai pas fait attention que ça l'avait allumé. Si ça l'allumait jaune de l'autre côté, ok. Très très bien. Alors, on va ramasser les petits démons des fois qu'ils servent à quelque chose. Parce que pourquoi pas. Venez, venez. Alors, ici, il y a sûrement une porte qui va s'ouvrir. Je pense que c'est entre les. Alors ici, on va aller sur celui-là. Ah bah raté. Je me suis dit, allez, celui d'en dessous était à droite, peut-être que celui-là sera à gauche. C'est raté. Du coup à droite. Ok, ça lui met en rouge. Alors est-ce qu'ils ont suivi la logique ou est-ce qu'on va se faire écraser en allant là? Voilà. C'était obligé. C'était absolument obligé. Je suis même pas surpris quoi. Alors voyons voir, donc du coup ici, parfait, ça a allumé la truc, qu'est-ce qui se passe?
On a une porte qui s'ouvre au-dessus. Nickel. Toi, tu fais rien, ça c'est pas des dalles. On peut direct se barrer par là. Ah oui, carrément. Il n'y a pas de... On peut pas ouvrir les autres trucs et tout, c'est direct, on se tire. Bon, on va essayer de ramasser les morts, il y a bien moyen de faire des trucs quand même. Ici, il se passe quoi? Ouais, à mon avis, on va revenir dans cette zone. Hein. Je peux pas croire que toutes les autres pièces autour là, elles soient pas. Elles servent à rien. Donc, on a ramassé tous les petits démons à tout hasard. On va donc essayer de se barrer par là. Ah, voilà, très très bien. Donc là, on a une porte qui est fermée. On peut aller par là. Ramasser machin. Oh la vache, le couloir. Cette porte est fermée aussi. Et donc, on avait deux chemins. Et on va prendre celui-là parce qu'il est à côté. Je ne veux pas me retrouver en feu comme pendant l'entraînement. Je te laisse y aller tout seul. Merci, mec. Ah, il y a des. Il y a des trucs. Ok, très très bien. Ça marche ça? Oui, ça marche. Donc là, peut-être que si on n'avait pas pris les démons, on pourrait pas les utiliser. Alors après, le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de trucs. Hein. Ah! Merde! Bon. Ça dit, comme vous me l'avez fait remarquer, il faut que je meure quand même de temps en temps dans les pièges parce que sinon. Ah, faut que je l'amène de l'autre côté. Ça me sert pas du tout à bloquer les tirs en fait. Il y a des trucs de couleur de l'autre côté. Ah putain, c'est chaud. Bon, de toute façon, on a déjà un épisode qui est bien assez long, même si j'ai fait beaucoup de morts, c'est que j'ai pas réussi. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. On fera ce petit puzzle la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous avez moyen de me dire éventuellement comment résoudre le morse, ou si vous voulez mettre vous aussi prendre un papier et puis essayer de voir si j'ai gouré un truc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous en serai reconnaissant. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.